Compute 1. Nous voulons que tu nous donnes la réponse. 42. Non, c'est quoi cette tenue? Ah, elle est entièrement bleue. Non, sérieusement? Elle a été entièrement bio augmentée. Elle est complètement en métal en fait. Putain, carrément. Ok, carrément. Alors, t'es prêt? Allez. Avec de la main, vos problèmes restent sur le trottoir. Putain de sa mère, un peu qui vont y rester. Oh ouais, d'accord. Je ne vois aucune raison d'employer un tel langage. Pourquoi lui aussi il est en costume? Ah ouais. Et la fois où j'ai voulu t'engager pour l'enterrement de vie de garçon de mon cousin, hein? Hélas, nous n'acceptons pas ce genre de contrat. J'avais économisé pendant 3 mois. C'est pas moi. Bon, c'est de l'histoire ancienne. Fonce, Del. Avant le début de notre voyage, je dois vérifier l'identité de tous les clients. Veuillez connecter vos liaisons personnelles. Carrément. On fait le lien. Comme dans Avatar. C'est bon. Merci. Forfait Excelsior activé. Excelsior? C'est de mieux en mieux. Carrément. Pourquoi t'es excité? Pourquoi t'es surexcité comme ça? Attends, regarde ça. De la main, active le mode de combat. Je suis navré, mais vous ne semblez pas courir de risque imminent. Non, tant pis. Okay. Tu peux me croire, il dégommera une armée de ninjas d'Arasaka s'il le faut. Ah, il a pas fait l'ordre. Dex, c'est pas foutu de nous, là. Pour une fois. Et grâce à toi, on va ramasser un joli 40%. Y'a pas de quoi. Excelsior. C'est comme ça qu'on rêve d'entrer dans la cour des grands. En forfait, Excelsior. Tu sais, tu sais pas trop ce que c'est, mais... Ça va, t'emballe pas trop. T'emballe pas trop vite, quand même. La cour des grands, on y est pas encore. Je sais pas, Jack. J'ai un peu l'impression que t'es en train de te ramollir. J'ai plutôt l'impression que c'est toi qui as un problème. Pas de crasheur, hein. Eh oui, on quitte tout. Allez, Harry. On y va. Ok. Donc je sais qu'il y a une arme sur le lit. Je vais prendre de la chambre. Oh, c'est beau. Ouais, prends le flathead. Veuillez former une file, s'il vous plaît. Ouais. Ça marche, mon pote. Monsieur. Il est trop détendu, lui. Un instant, je vous prie. J'ai quelque chose. Monsieur, pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous apportez un bot de combat dans les locaux du Konpeki Plaza? On est des vendeurs d'armes. On est des vendeurs d'armes. Quoi? Ah, vous avez rendez-vous avec Taki-san, c'est ça? Eh oui. Donc laisse tout passer. Merci. Je vous présente mes plus plates excuses pour cette erreur. Ça ne prendra qu'un petit instant, monsieur. Ah ouais? Allez-y. Dingue. Yokoso. Putain, elle est en or. Et bienvenue au Konpeki Plaza. Vous savez combien de temps a duré notre voyage? 18 heures depuis Neo Barcelone. Avec un retard à Metaki, tout ça parce qu'un cyberpsycho s'est fait sauter dans le terminal. Oh, vrai cauchemar. Évidemment, je comprends. Vous avez la suite Lapis-Lazuli au niveau 42. Lapis-Lazuli. Oh, bienvenue au Konpeki Plaza. Nous ne prenons pas de réservation en semaine, alors choisissez la table qui vous plaît. Ah, à moins que bien. Vous ne préfériez vous asseoir au bar. Je viendrai peut-être avec Misty un jour, quand on aura bouclé cette affaire. Vous avez assez bu? Qu'est-ce qu'il y a? Vous mettez les autres clients mal à l'aise. Prends les clés de contrôle de Jackie. Je vais connecter Tekiroshi à la vidéosurveillance pour que tu guides le robot. Je suis en train de voir la putain de valise buggée. Mais ça, c'est des bugs qui arrivent sur Play 1 par contre. Je comprends pourquoi les gens sont pas contents, quoi. Ça, c'est le genre de bug du premier, comment dire, Metal Solid. C'est juste une puce, pas une grenade. Donne-la-moi, vas-y. Tiens. C'est parti. Je te passe en vue caméra. Voilà. Va sûrement te désorienter un peu, voilà. Mais panique pas. Ah, oh, d'accord. Ok, j'ai un bon visuel. Ah.
panneau de terrarium. Ici. C'est bon. Entrez dans le conduit. Putain, la flatette, il monte sur les murs et tout. C'est dingue. Tiens, mon chouchou, t'as. Merci, mon cœur. C'est génial. Oh là là! Myrtille et framboise! Putain, ils sont énormes! Je savais bon, ça. C'est bon, le flathead est entré. Ils sont bons aussi, les petits. Je te connecte à la caméra suivante. Avec la petite femme de ménage qui fait les vitres. Je crois que c'était pour toi. C'était adressé à la gentille femme de ménage qu'il trouverait. Le mot disait « Désolé pour le désordre ». Il y avait du sang partout. Mais il a laissé un pourboire au moins. Je suis la seule à retrouver que du vomi et des capotes usagées. Oh. Il n'y a vraiment pas de justice. Donc elle fait des raclettes comme ça. Tu crois qu'il est célibataire? Qui ça? Tu sais bien. Le beau gosse super riche avec un regard coquin. Celui qui occupe le penthouse. Bon, désolé, je mange en live. Ça faisait longtemps. Les types comme lui sont toujours célibataires. Il porte un costume hors de prix, mais c'est un biker dans l'âme. Toujours prêt pour une nouvelle chevauchée. Moi, je le laisserais bien me chevaucher. Comment déjà par essuyer ce verre? Il y a un panneau de contrôle sur le terrarium. Je doute que ça soit utile. Okay. Moi, je prends pas. Le régulateur de température. Le terrarium a un régulateur de température et de qualité de l'air. Premios, envoie-y le flathead. Envoyez. Bye. Chouchou. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'en. Ah, je suis une bonne framboise. Et le flathead, il va défoncer le régulateur, c'est ça? Oh, regarde, il y a un problème avec le terrarium. Hé, hey, Bug, ça a marché. Oh, merde. Et t'as encore rien. Est-ce que tu sais seulement combien ça vaut, c'est tout? Continue d'avancer, on se félicitera plus tard. Envoyez. C'est vraiment de la bombe, le flathead. Oh, ben là, ça se voit, là. Doit y avoir un autre accès. Laisse-moi réfléchir. Il y a une autre caméra de l'autre côté de la porte, mais elle est coupée. Tu veux que je l'active? Ouais, cherche un port de vidéosurveillance. Genre ici. J'ai trouvé le port. Ok, connecte le flathead. Voilà, c'est fait. Maintenant, passe sur l'autre caméra. Il est à l'intérieur. Comme prévu. C'est bizarre que cet hôtel ait qu'un seul runner. Un bon résident fait aussi bien que 10 runners de base. Et maintenant? On fait quoi maintenant? Neutralise-le. Utilise le flathead pour te connecter à lui. Je vais le geler avec un démon. C'est du vieux jargon, on me demande pas. Le résident va se douter de rien? Connecte-toi directement à son fauteuil. Il va pas comprendre ce qui lui arrive. Tu pourrais débarquer avec un char d'assaut dans la pièce qu'il ne remarquerait même pas. Ok. Le monde réel n'existe pas pour lui. Mais tu vas d'abord devoir faire entrer le flathead. Eh ben, on y va. Par ce conduit. On dirait que le conduit relie les deux pièces. On va vérifier ça. Maintenant, passe sur l'autre caméra. C'est celle-là? Ouais. Je crois qu'on a trouvé notre entrée. C'est ça. Envoie le flathead là-bas et passe sur la seconde caméra. Ok, donc il arrive par ici. Il va défoncer la grille. Il est rentré pour aller... Connecte le flathead au fauteuil. À quel runner? Oh, c'est excellent. Reste là, hein. Ouais, pour surveiller le résident. J'entre dans le réseau principal du cône Peki. Tu peux te déconnecter. Así es como se hace.
Bon, faut clair de parler en espagnol. Comment tu te sens? Ça va, j'ai juste la tête qui tourne. Bug, t'en as encore pour longtemps? T'es là, Bug? Ouais, je suis là. Bon, écoutez, la glace est plus épaisse que prévu. Ça va prendre quelques heures pour la percer. Quelques heures? Y'a pas moyen d'accélérer? Tu veux que ma cervelle grille ou quoi? Osez-vous. Oh, le bug! Suite de Bourges. Elle s'est multipliée. Vais, détends-toi, ok? Je comprends pas. Essaie de t'en poser. Eh ben, on va aller dormir. Tu sais quoi? C'est de se reposer. Ben. Quelques heures plus tard, cache. Pourquoi il a renoncé à tout ça? Hein? Qui a renoncé à quoi? Yorinobu Arasaka. Il a renoncé à la belle vie. Ça date, je sais. C'est juste que... Je me demande. C'est comme... Imagine. T'as absolument tout, tu vois? Les édits, l'éducation... Ton vieux peut transformer la moitié du monde en désert nucléaire d'un claquement de doigts. Mais toi, au lieu d'en profiter et tout ça, qu'est-ce que tu fais? Tu crées un putain de gang. Les dragons d'acier, machin. T'abandonnes ta famille, tu te fais poser de la real skin, et tu joues les chefs de gang pendant des années. Pourquoi? Il a fait un caprice de riche, enculé. Qu'est-ce que ça peut me foutre? Ah, je l'emmerde. Rien à foutre de ce bourge à la con qui rêvait de vivre comme un gosse des rues. Ça devait être Fandard. Je suis Yorinobu Arasaka. Ça vous dirait de rejoindre mon gang? Un branleur protégé par une corpo. Et puis les dragons d'acier. Les dragons de sa mère, ouais. Les gangsters, ça devait le faire triquer. Il en a eu marre d'être riche. Lui, il en a eu marre de jouer les durs. C'est qu'un putain de touriste. Touriste ou pas, il vient d'entrer dans le hall. Les affaires reprennent. Sécurité du penthouse neutralisée. Perfecto. Que le spectacle commence. D-Bug, t'es resté à l'écoute tout ce temps? Pendant 3h30. Allez, sérieux? À propos de ce balai dans le cul, celui que j'ai dans le mien? Je le pensais pas vraiment, tu sais. Je sais. C'est le moment de te faire pardonner. Ça, c'est drôle. Il rappelle les mecs dans Gardiens de la Galaxie 3. Il y en a bien eu 3. Non, 2. De 2. Le 3, il va sortir. Suite Tavernier. Ok. On n'a pas vraiment le choix. Ah, c'est angoissant ce silence. Hé, hey, vous voulez en entendre une bien bonne? Maintenant? Sérieux? Ok. Alors vous savez ce que c'est, le cri du cybercochon? Groum groum, groum groum. Quel con. Achevez-moi. C'est pas mal d'être l'héritier de l'Empire Arasaka. C'est mieux que d'être... Ah, j'ai ok, super. Hé, hey, on se concentre, le coffre. Émaniez-vous. Pourquoi? Qu'est-ce qui presse? J'ai perdu le signal de Yorino. Ah. Merde, c'est un putain de sorcier ou quoi? Il doit être dans un angle mort. Je le récupérerai dans quelques secondes. Faites votre boulot. Là, sous le plancher. Cherchez l'interrupteur. J'ai un interrupteur. Il y a sur 15 mètres, 10 mètres. Mais go, il y a un truc qui sort. Putain, tu as le chauffeur de téléphone ou quoi? Il y a un truc qui sort et c'est là, c'est un piège. Maintenant. Utilise ta liaison perso et rends-nous riches. Ah. Ça marche. À toi de jouer, Bug. Et c'est là, c'est elle qui se fait hacker. Sécurité de fou. C'est marrant de pirater un truc dans Cyberpunk 2077 quand tu sais que c'est des projets qui s'est fait hacker. Bug. Personnel s'agite. 200 employés. Ça court de partout. Oh, sa mère. Pas trop ça. C'est encore un coup fourré. On va se faire encore arrêter. T'as bientôt fini, T. Cette fois-ci, on risque surtout de se faire buter. On s'en fout. Ouvre le coffre. J'y suis presque. C'est bon. Voilà. Prenios. Alors, voyons voir ça.
Allez, dépêche-toi. La relique est intacte? Intégrité du bio éclat, 100%. Ça doit vouloir dire oui. Parfait, on y va. Allez, on fonce. Merde, trop tard. Yorinobu va entrer. Planquez-vous. Où? La grosse colonne, là. C'est une blague ou quoi? Non, entrez dedans, vite. C'est une blague. Oh putain. On se planque dans la colonne. On est entré. Mais ça résout pas notre problème, qui? Je sais bien qu'on a toujours un putain de problème. Laisse-moi réfléchir une seconde. Faut surtout qu'on arrête de parler. Possible. C'est pas un Dark Smasher. Un garde du corps. Une légende de Night City. Et plutôt du genre trash. On la joue comment? On attend. Est-ce qu'ils sont là? Ils arrivent de la zone d'atterrissage. Putain, mais de quoi ils parlent? Bug, qui est-ce qui se ramène? Comment, j'y crois pas. C'est pas possible. Qui est-ce qui se ramène, Orda? Saburo Arasaka? Oh. L'empereur. Encore une putain de légende. Chut. Deux légendes dans la même pièce. Ils vont peut-être montrer la relique. Oh. Ah, ils sont venus chercher la relique. Ah, ça pose un problème. En tout cas, super bien fait ça. Oh la vache. Un peu trop. Si on savait griller, on nous a pas vu. Alors Kayate. Donc le mec s'appelle Adam Smasher, celui qui était le robot là. J'y crois pas. Saburo Arasaka. J'adore les corps qui j'ai. あんたの問題点はそこだ。世界は自分中心に回ってると思っている。傲慢だよ。よりの。どうしてここへ？直々に俺に屈辱を味わわせ立場を思い知らせるためか。出る杭を打たれるとよく言うだろう。自分の言葉じゃ何も言えないのか。 Le clou qui dépasse à peine le marteau. Oh, ça va mal tourner ce soir. Il y avait un flingue sur le lit quand on avait vu ses souvenirs à ce mec. Et le flingue n'y était pas tout à l'heure, je suis allé vérifier. Donc il l'a sur lui peut-être. Et il n'a pas été fouillé. Est-ce qu'il va tuer son père? Devant nos yeux ébahis. Ouais, il est nerveux en parlant de sa mère et tout. Putain. Ah ouais. Putain! Tu n'auras plus jamais rien à me pardonner. Et il le tue. Oh putain. Oh, c'est con. On l'aura pas vu longtemps, l'empereur. Bordel! Bah
Enfin, il a tué l'empereur, mais est-ce qu'il a tué l'empereur ou est-ce qu'il va se faire buter par le garde du corps qui est reparti tout à l'heure? Ah, c'est la merde. Arasaka-sama. Ah, oh, putain. Et l'autre, il se doute pas non plus. Putain, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Yarinobu, il vient de buter Saburo. Quoi? Ah, sortir de là. Son propre père. Ouais. Vous savez ce que ça veut dire? Ça va grouiller de garde en moins de deux. Oh putain, on est dans la merde. Faut que tu nous sortes de là. Bug, faut que tu nous sortes de là, et vite! Juste une seconde! On n'a pas une seconde! Merde! Ok, j'ai trouvé. Ah, je fous l'empereur. Saka est mort. Quelle fenêtre? Ça fait bizarre rien que de le dire. Oh, sa mère. Je la déverrouille. Vous devriez voir une échelle. Le flingue, échelle. Yes. Oh, merde. Non, pas maintenant. Ils l'ont trouvé. Quoi? Bug! Oh, ils l'ont trouvé. Oh, putain de sa mère. On a perdu T. Putain. La cour d'écran, putain. Tu prends ton pied, là, Jackie. Pas mal, la réponse. C'est ce que tu voulais, non? Enculé. Oh, la vache. C'est tout. C'est sacré beau, on empêche. Merde. Oh, c'est bien fait. S'ils viennent pour Saburo, c'est trop tard. Putain, j'espère qu'ils nous ont pas vus. Oh, deux mecs qui longent les vêtres, t'ont pas vu. Sautez. Pas le choix. Oh la vache. Oh putain. Y'avait pas le choix. C'était chaud. La relique. Madre. Non. C'est pas bon ça. Ah, c'est pris une balle. Oh, tu saignes. Jackie, tu saignes. Tu t'en feras pour moi plus tard. Vérifie la relique. On sent pas les couilles. Elle est pressurisée. Intégrité de la biopuce à 94%. Oh, ça va. Et ça descend. Carajo. Parker, appelle-la pour dire qu'on a bousillé la mallette. Fais-le aller. Allez, pourquoi pas. V, on parle que du Colpetti aux infos. Qu'est-ce qui se passe, putain? On a un problème. La mallette cryo est endommagée. L'intégrité de la biopuce est à... Jackie. 86%. 86% et ça descend. Merde. Bon, écoute-moi bien. Il n'y a plus qu'une chose à faire. L'info doit insérer la relique dans son port neural. Putain, c'est quoi ces conneries? La relique ne peut pas rester à l'air libre. Il faut la stocker dans un environnement sûr. Bon. Un de nous doit s'y coller. Allez, fais pour moi. Non? Tu veux le faire? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Ah, il se la met dans lui, d'accord, ok, carrément.
Oula, il a bugué. Ça va? Je sais pas. Je crois. Je sens aucune différence. À votre tour, on retirera la relique et on lui fera un scan cérébral complet. Mais pour ça, vous devez vous grouiller de sortir de là. C'est ce qu'on essaie de faire. Allez, putain. Redresse-toi, non? Del! Putain. On arrive. On sera là dans pas long. Tiens-toi prêt, ok? Très bien, monsieur Wells. Vaudrait mieux, putain. Il faut trouver comment rejoindre le hall. C'est le seul moyen d'accéder au garage. Il vaut mieux pas traîner. Oh là, c'est... Super. Allez, on s'arrache de là. Votre attention. Le Compeki Plaza a été placé en alerte rouge. RAS. Veuillez rester dans vos chambres. Les forces d'élite sont en ligne. Ils savent qu'on ramasse tous les étages. J'ai un flingue, moi, déjà. Je sais plus. Comment je sors le flingue? Je sais pas. Non, j'ai pas de flingue. Monter. Ah voilà, si je l'équipe pas, c'est bon. Et non, et non. Comme ça. Voilà. On va tenter. Tuer. Voilà, WF. Regarde ce qu'on a là. Attrape, attends. C'est bon? T'es content? Fais gaffe. Ça lui est sûrement bien dehors. Ok. Attends. On va prendre une mitrailleuse quand même. Voilà. On est bon. Votre attention. Le Compeki Plaza a été placé en alerte rouge. Ouais, alerte rouge, alerte rouge. Et suivre les instructions du personnel. Itachi et Arise. Sur la terrasse ont été endommagés. Ouais. Est-ce que tu vas retourner voir ou est-ce que tu vas pas bouger? On dirait qu'il va pas bouger. Il surveille moi. Fais gaffe. Merde. Comment que je fais déjà? Protocole. C'est alors 1C 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 1C. Toute résistance est plus. Ah. Pauvre con, il m'a dit. C'est pas mal. Allez, alerte rouge. On fait pas en légèreté quand même. Voilà. Écoute, faites comme on peut. Prendre le corps, je pense que prendre le corps. Oh, t'inquiète, on va pouvoir. Facile.
À chaque fois, tu peux soit le faire doucement, avec légèreté, tendresse, soit tu fonces. Ça marche bien des fois. C'est pas ça qui va m'arrêter. Tu m'étonnes. Il va attaquer. Hein? Wow. Putain, pour faire des tirs à la tête avec cette merde. C'est chaud. Oh, on peut leur prendre les... Oh, c'est beau ça. Alors. Non, c'est pas ça. À la place de ça, si on peut utiliser par exemple celui-ci. C'est bon ça. Ça. 102. 110. 100. Allez, on prend celui-là. Comme ceci. Voilà, fusil à pompe. On va les endommager un peu. Merde. Oh, j'ai pris feu carrément. J'ai carrément pris feu. On va les défoncer. Oh, il y va avec deux flingues lui. Il est blessé. Oh, c'est joli. Non, c'est joli. Il y a des effets un peu sympathiques quand même. Par contre, cette espèce d'injection, elle fait le... Injection, pardon. Elle fait le même effet que... Comment ça s'appelle déjà la drogue dans Judge Dredd. Ah putain, j'ai oublié le nom. C'est pas très grave. On va ramasser tout ça. Ça c'est fait. Wow, 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 wow. Le Compiki Plaza. Trop tard, non? On dirait bien. Oh, sérieux? C'est quoi cette surchauffe? Oh! Voilà. Ouais, par contre, quand tu contre sa peau, là, corps à corps, quoi, à bout portant avec le fusil à pompe, et qui se relève, c'est, ça fait bizarre quand même. Là, je me suis pris un chariot dans la gueule. Ah, il faut rejoindre la bagnole. Il a tout madré. Il est à l'arrêt. Et l'autre, il fonctionne. Bon, c'est rien, moi, je suis en surchauffe. Je sais même pas pourquoi. J'ai de quoi baisser la surchauffe là, parce que c'est n'importe quoi. Inventaire, sac. Consommable. Réduire la vitesse des battements, pression des armes. Réduire la vitesse. Réduire la vitesse, précision, réduire la vitesse. Réduire la vitesse. Réduire la vitesse. Applique le statut nourri qui augmente la santé, régénération. Hydraté qui augmente l'endurance maximum 10%, et la régénération 50%. On va prendre ça.
Impossible pour l'instant. Ah, c'est que hors combat. Oh, sérieux? J'engage le combat, mais engage-le donc. Tué au combat, ouais, c'est ça. Wow, cool. Alors là, heureusement qu'on est dans un jeu où l'inventaire met pause. Oh merde, ok, niveau supérieur. Putain, c'est lance-grenade, ça aurait fait très très mal. C'est pas très grave. Il est touché! Voilà. Ok. Allez, go. Quoi? Saburo Arasaka. 150 ans. Putain, pourquoi je suis en surchauffe comme ça? Aujourd'hui, on dirait que Dieu avait envie de se barrer. Tu trouves ça amusant? Ça t'amuse tout ça? Ouais, j'avoue. Ton foie est peut-être foutu. Ça me pendait au nez. Oh, allez, détends-toi, V. On va s'en tirer. Dis ça à T-Bug. Va dire ça à Bug. Elle serait peut-être encore en vie si on avait été plus prudent. Passe pas tes nerfs. Mais est-ce qu'elle a été tuée sur moi? Est-ce qu'ils en sont sûrs? Ce qui doit arriver arrivera. Ben, c'est long, hein. Oh là là. Putain, dans les bureaux, il a pas là. C'est bon. Je sais même pas si j'ai eu un gilet pare-balles ou quoi. Équipé. Ah! Et on est obligé? T'es équipé? Action impossible. Ah non, en mission, on est obligé de rester en costard. D'accord. Donc je sais qu'il est là grâce à la mini-carte qui est magique. Oh putain, les grenades flash. Ça, c'est un truc que je déteste. Oh, j'ai plus de munitions. Oh, j'ai plus de munitions. La con de moi. Oh merde, je suis à terre. Il va m'aider, enfoiré. Putain. Je sais pas. Oh, c'est compliqué. Ah, ils ont mis de la collision à un hologramme. Ça, c'est bizarre. Oh, de l'art maniaque massif, quoi. Le truc de shot, il a 50 balles, quoi. Neutralisez-le.
Ouais, c'est pas ça que je voulais faire. Vas-y, tire-leur dessus au minimum. Faites pas de quartier. Headshot. Merde. Ça c'est pas cool. Ah bah non, je suis mort. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis mort à une vitesse. C'est dingue. Ah, oh, du bien ça. Je me suis liqué sur la caméra mais... Oh. Un peu tendu, c'est tout. Oh, laisse tomber, ça sert à rien ce que tu fais. C'est juste que. T'as tellement été tendu que même ça c'est difficile. Putain, ils ont éclaté le terrarium. Ah, oh. C'était bien ou pas? Non, tu m'as niqué. Tu m'as dit d'appuyer. Je pue, moi, désolé. C'est vrai, t'inquiète pas. Eh merde, je suis mort. Voilà, ça c'est ta faute, ça par contre. Je te pardonne pas. Ah, oh. Et là ça fait du bien. Ah ouais, grave. Oh et putain. T'as les yeux tellement durs que ça fait mal à la. C'est ça. Loche. Bon, ça fait 1h10 de live. Ça va? Ouais, je crois qu'on va arrêter là parce que j'arrive plus du tout. Donc il faut pas insister. La prochaine fois, donc demain, on réessaye. Et cette fois, on passera le Compeki Plaza. Allez, bonne soirée.